Et nous voilà dans le jeu, et c'est FunkyGames06 qui va nous poser les questions de la FAQ. C'est moi qui va y répondre. Est-ce que tu as aimé faire le TPE? Non, je n'ai pas aimé faire le TPE. D'ailleurs, en plus, sur l'écran, vous allez voir carrément une image, une capture d'écran, de ma synthèse personnelle non censurée, attention, non censurée, et une capture d'écran aussi de la synthèse personnelle censurée. Donc en fait, pour ceux qui savent pas c'est quoi le TPE, en fait, c'est un truc en première. Général, c'est des travaux personnels encadrés, et je n'aime pas faire ça, je déteste, je n'aime pas, voilà, c'est tout. Hein, j'étais dans un groupe pourri où il y avait deux personnes, genre ils travaillaient pas, genre ils s'en foutaient, et voilà, on va avoir zéro, mais c'est pas grave. Alors de Tanguy, pourquoi NRY? Alors, pour ceux qui regardent les captures d'écran, juste en bas, il y a quelqu'un qui a spoil. Attention, c'est Pixelizor, c'est un random. Il a marqué New Routier YouTube. Voilà, allez, je spoil. NRY, c'est pour New Routier YouTube. De rien, PS, je te jure, c'est vrai. Et oui, en fait, c'est bien New Routier YouTube. En fait, avant, j'avais créé une chaîne qui s'appelait Julien le Routier Nul. Elle s'est fait striker par YouTube. Je l'ai créé une nouvelle qui s'appelle Julien le New Routier. Mais comme ce nom était trop long, j'ai raccourci en Julien NRY. Et NRY, c'est New Routier Y YouTube. Voilà. Parce que Julien NRY. Je peux faire routier, la fuck. Voilà, Julien NRY. NR, c'est bizarre. Oui mais voilà, nouveau routier parce que je fais des vidéos sur OTS, c'est pas j'ai envie d'être routier, en plus je les critique. Ensuite. Des personnes regardent-elles des prévisions trafic? Oui, il y en a. Même ma vidéo du 31 juillet a plus de 200 vues quand même. Même si en ce moment, bon, ça dépasse même pas les 20 vues, ça a du mal. Mais oui, sinon il y a vraiment des gens qui regardent comme toi, hein, je t'en dis, tu regardes une vidéo. Comptes-tu changer de design prochaine? De design, oui, j'aimerais bien, mais le problème c'est que j'ai pas les éléments nécessaires, hein. Je suis nul en design, donc si quelqu'un qui veut changer de design, qui a des bonnes idées, je suis preneur. Pas difficile de se faire une place sur YouTube en ciblant qu'un seul type de jeu ou communauté? C'est un peu difficile, c'est vrai, parce que je suis à pratiquement que du TS2, et si je suis un autre jeu, ce n'est pas regardé. Pourtant, je fais pas que du TS2, hein, pour ceux qui ont vu, il y a du New Super Mario Bros. U, Mario Bros. 2, des jeux Mario quoi, il y a d'autres jeux de simulation, TS2 par exemple, et même des jeux pour enfants, les vieux jeux de démo 60 minutes là, comme Teenage Dash 5, et les anciens jeux de simulation aussi, ETS1 et j'ai... Allez c'est parti. Donc à chaque, toutes les 5 questions en fait, on change d'endroit carrément, et entre chaque endroit, il y a de l'accéléré. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. On reprend la suite des questions. Que penses-tu de la communauté française du multijoueur ETS2 ATS? Alors, c'est une question... Ça me rappelle quelque chose, ça. C'est une question de Henri140. Dans une vidéo, il avait dit que la communauté française était la troisième plus grosse du multijoueur. Et il a dit que les développeurs ne sont même pas foutus de faire le site en français. Leur site internet, il est pas en français, ça c'est vraiment bizarre. Sachant que quand même, sur ETS2 MP, enfin sur le MP, on est quand même la troisième plus grosse communauté. Et ils ont pas été foutus de mettre le site en français. Ça c'est quand même un peu dommage, j'aurais pu dire. Alors, je vais donner des explications et vous allez tout de suite me haïr, vous allez mettre des pouces rouges partout. C'est sûr. Non, il est en français le site. Non mais je parle le site en entier quoi. Quel site ETS2 MP ou tout, SS. Tout, Trucker MP, tout comme ça. Le Trucker MP il est en français. Non. Oui. Le nom des sections c'est pas en français. Une seule, c'est tout. Mais je sais pas, il a dit ça. Donc, je vais y répondre. La communauté française, ils ne connaissent pas la langue anglaise. L'anglais est un langage extraterrestre pour beaucoup. Et en plus, la communauté française, eh ben, ne veut pas communiquer avec les autres. Ils veulent rester tout seuls, en fait. Ils veulent s'isoler. Tiens, voilà. C'est un français, tiens. Les Français veulent s'isoler. Et après, ils se plaignent que rien n'est traduit dans leur propre langue, vu qu'ils ne s'impliquent absolument pas dans la communauté. Ensuite après, troisième, plus grosse, ça j'ai des doutes. Parce que je vois les Russes, les Anglais, les Allemands, très nombreux. Les Chinois aussi, il y a beaucoup de Chinois dans... Les Japonais aussi. Hein. Ouais, Chinois, Japonais, Indonésiens, c'est les Brésiliens aussi. Ils sont très nombreux dans la communauté de TS2MP. Américains aussi. Américains un peu moins. Belge. Mais non. Et je n'aime pas aussi cette communauté parce que ils insultent 24h sur 24. Mais genre en français, genre dans Rotterdam au calme. Et là j'entends des Français dire des insultes dans le chat. Et personne ne comprend en fait. Et ça a le droit de m'exaspérer, c'est pareil. Dans le chat, il y a des gens qui disent bouge et mettent d'autres insultes. Et ils ne bougent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Et bah les gens ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire. Parce qu'ils parlent en français. Chut. Et en anglais. Et donc si on dit en anglais, là on comprend. Sauf que les Français ne veulent pas faire l'effort. Et je n'aime pas cette communauté. Bon, je sais pas si mes arguments sont très convaincants. Mais voilà, je n'aime pas la communauté française de multijoueurs. Même la communauté française en général, je ne l'aime plus. Je n'aime pas. C'est bon, j'ai été assez dégoûté. Voilà. Vas-tu faire des vlogs? Des vlogs? Ouais, j'aimerais bien faire des vlogs à l'occasion des sorties scolaires et tout. Mais après, si tu parles de créer une chaîne entièrement dédiée pour les vlogs, les podcasts et tout ça, non. Hein, parce que...
sinon ça va faire trop de chaînes et ça va être trop énervant. Et si je mets le vlog sur ma chaîne principale, enfin sur la chaîne du générique quoi, et bah ça va faire chaîne poubelle. Tout va être mélangé, les prisons trafic, les jeux, les vlogs, ouais ça va devenir n'importe quoi. Et encore si je mets sur la chaîne bonus, ça va encore générer. Si je poste le vlog sur la chaîne bonus, je sais pas trop si ce sera visible. Vas-tu la PGW 2007? Alors, tu m'as déjà posé cette question en vidéo et la réponse est non. Sauf si quelqu'un m'achète les billets ou quelqu'un IRL me propose carrément, il m'a déjà acheté les billets. Mais c'est très peu probable. Quand tu fais une rencontre abonnée, il y aura personne en fait. Non. Pourquoi ta chaîne ne convient pas aux écologiques extrêmes ou à ceux qui haïssent les autoroutes, routes, camions et voitures, ni aux fans de l'extrême droite? Il aurait dû rajouter logiciel du trucage de Volkswagen aussi. Il y a une époque, oui, j'avais écrit ça dans ma description. Maintenant, je l'ai retiré. En fait, où les gens de ma classe IRL, ils ont découvert ma chaîne, et bah j'étais mal en fait. J'ai pas trop voulu qu'ils connaissent l'existence de ma chaîne, et donc au début j'ai mis ne convient pas aux élèves de la meilleure escadre d'un lycée quoi, de ma ville, et ensuite après les gens ils le remarquaient et ils étaient déçus, donc j'ai retiré tout ça et j'ai juste mis convient pas aux écologistes extrêmes ni aux fans de l'extrême droite. Alors pourquoi je dis ça aussi, il y a un lien avec une vidéo questionnement sur les routiers où je parle un peu de cette histoire d'extrême droite justement. On attend que les voitures passent. Les camions. Bah les camions. Ah oui, ils sont nombreux. C'est bon, t'as fini à répondre? Attends, on attend qu'il passe. Non, c'est des Chinois en fait. Ouais, ni aux fans de l'extrême droite. Oui, donc parce qu'en fait, j'ai des idées anti-extrême droite hein, pour ma vidéo qui se demande sur les routiers, où j'ai demandé est-ce que les routiers étaient racistes. Voilà, donc ça montre directement que je ne suis pas fan de l'extrême droite. Combien de temps durera ta chaîne YouTube? Jusqu'à l'infini, j'espère. Voilà, jusqu'à la fin de ma vie même, j'aimerais bien. Mais il y aura une pause. Alors oui, il y aura une pause qui va s'effectuer pendant 2 à 3 ans. Bon, déjà pour le bas, c'est sûr, il y aura une pause, ou même des posts de vidéos qui datent de 3 mois. Mais sinon, pendant 2 ou 3 ans après le bac, certainement je ne tournerai aucune vidéo. Elles seront certainement toutes tournées à l'avance et postées durant 2-3 années même. Voilà, mais ça je suis pas encore sûr, ça dépendra en fait de ma voix post-bac. On en reparlera l'année prochaine. Moi ça va être l'inverse, moi c'est après mon bac. Lui il est un peu en retard de son équipe en fait. Ouais ouais. Allez, cinquième question, parce qu'après on va changer d'endroit. Tu connais Vlad? Vald. Je ne connais pas Vald. As-tu regardé Selfie 3, qu'en penses-tu? Je n'ai pas regardé ça et je ne sais pas quoi en penser. Allez, on change d'endroit.